si tu continues avec la nonchalance, or, nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Attendez, mais regardez, la timidité n'est pas remplacée seulement par un élément. La timidité est tellement une âme satanique qu'elle doit être remplacée par trois choses. Elle doit être remplacée par la sagesse, par la force et par la puissance. Est-ce que vous imaginez comment la timidité peut te faire passer à côté de ce qui t'appartient parce que tu n'as pas le zèle et l'audace pour avancer et dire j'arrache, j'arrache. Je vois une notion qui vient sur toi et tu dis j'arrache, 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 j'arrache. Assieds-toi. Ne pars pas t'enfermer et tu pries que la sœur te remarque. Moi j'ai fait ça, ça ne marchait pas. Oui. Je suis allé, j'ai parlé à Maman Chou. Yes. Reste là. Reste là. Et je suis allé parler. Bien aimé, je n'ai jamais tremblé comme j'ai tremblé le jour là. Mes pieds là étaient en coton. Mais j'ai dit, Seigneur, j'arrache. 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 Hey! Je vois quelqu'un arracher ce qui est à lui. Mais suis-moi, n'arrache pas que les choses, mariage et tout ça, non. Arrache des dimensions spirituelles. Tu t'agenouilles et tu arraches les dimensions des communions profondes avec le Père. Tu arraches des choses qui vont t'amener sur le sommet des nations. Tu cesses d'attendre que ça vienne à toi. Lève-toi, dis, je n'attends plus. J'arrache. C'est ma soirée. Dis à trois personnes, c'est ma soirée. Dis à trois personnes, ce soir, porte mon nom, porte mon nom. Alléluia. Élevons le Seigneur. Élevons le Seigneur. Élevons
je causais avec, avec maman Chou ce matin, elle me dit que hier, quand tu étais en chemin pour venir, elle dit non, la chorale là extraordinaire. Elle me dit, il y avait un temps d'adoration apparemment quand nous étions en route en train de venir. Et elle me dit non, moi, donc on va envoyer nos gens de chorale ici. Amen. Papa Oscar, 20 sur 20. Alléluia. From my spirit to my soul, until my voice re-echoes, you are worthy of my worship, worthy of my praise. Acclame la meilleure chorale qu'ils aient. Alléluia. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Prenons nos Bibles dans 2 Rois 13, à partir du verset 20. Amen. Et nous allons faire un pas encore plus profond dans notre message, connaître l'onction. Amen. Et je te supplie ce soir, donne-moi ton attention. Alléluia. Nous avons un honneur extraordinaire, non seulement mon épouse, maman Chou et moi, mais en fait toute la famille des églises communauté missionnaire de Réveil. C'est un honneur étrange. Amen. Donc, je bénis Dieu et tu as vu la manière que Dieu m'a exaucé vite. C'est un signe que Dieu t'exauce ce soir. Amen. Parce que ma prière, j'ai fait ça au bureau en bas. Juste le temps de monter les escaliers, arriver ici, j'étais exaucé. Amen. Donc, je ne connais pas la distance entre ta maison et ce lieu. Mais si je peux prier au bureau, on monte les escaliers, une minute après, je suis exaucé. Le premier qui dit Amen, tu es exaucé ce soir. Tu es exaucé ce soir. Et je veux te dire, tout ce que Satan a dit sur ta vie, c'est doublement faux. C'est faux et c'est défaut. C'est doublement faux. Nous sommes là pour établir que Satan a menti sur ta vie. Le premier qui dit un amen vivant, c'est établi sur ta vie. Que le diable soit puni avec toutes ses femmes. Assieds-toi. Alléluia. 2 Rois 13. Si je parviens à prêcher, gloire à Dieu, je ne prêche pas. On a ouvert la Bible. Il n'y a aucun verset qui dit qu'on doit prêcher. Ce n'est pas l'obligation. Il y a des moments où Jésus commence à faire et il dit après. Ma Bible dit dans Actes 1, voici les choses que le Seigneur a commencé à faire et après à dire. Il y a des moments où le Seigneur fait d'abord. Et ce soir, que ça plaise à l'enfer ou pas, le géant que tu es va paraître. Le héros que tu es va paraître. Le premier qui a le meilleur amen, ça se passe. Et laisse-moi te dire, pendant que nous avançons, une des plus grandes clés de l'onction, c'est ta soif. Combien tu... Vous savez, avec les années, vous avez sûrement découvert que ce ne sont pas les intestins qui boivent l'eau. C'est la soif qui boit l'eau. Parce que le jour où tu as une grande soif, les intestins ils ont la même taille, mais tu bois pratiquement 1,5 litre d'eau. Mais le jour où ta soif est tellement petite, on te donne un verre d'eau, tu ne parviens pas à finir. En réalité, ce n'est pas ton intestin qui a rétréci, c'est juste ta soif qui n'était pas en place. Donc c'est la mesure de ta soif qui va recevoir ce soir. Ta manière de dire Amen n'était pas claire. Et vous voyez, afin que toute réalité soit établie sur le témoignage de deux ou trois, je veux que tu saches que ce soit dans Ésaïe 44, mettez ça à partir du verset 3, le Seigneur dit, je répandrai les eaux sur la terre assoiffée. Ici, dans cette version, on dit le sol altéré. Ça veut dire, et il dit, et des ruisseaux sur la terre desséchés. Je répandrai mon esprit. Donc, l'onction est destinée à la mesure de ta soif. Est-ce que tu es ici? Donc, lorsqu'il y a un temps d'impartition comme ce soir, bien aimé, développe la soif. Et vous savez, lorsque quelqu'un a soif, très souvent, il y a trois choses. On n'a pas tout le temps parce qu'on va directement dans les choses pratiques. Lorsque quelqu'un a soif, il y a trois choses. Quelqu'un qui a très soif, parle peu. Lorsque vous voyez un chrétien qui a une soif d'une gloire supérieure, vous le savez.
Lorsque quelqu'un perd l'appétit, perd la parole et perd le sommeil, sachez qu'il a un grand fardeau. Oh. Quand quelqu'un dort en paix, parle à tort et à travers et mange comme il veut, qu'il ne te trompe pas, il n'a pas de peine, il n'a pas de fardeau. Quand tu as de vrais fardeaux, tu perds la parole, tu perds le langage et tu perds le sommeil. Et je sais qu'il y a quelqu'un ici, ça fait des jours, des semaines et des mois que tu portes des fardeaux. Il y a une soif à l'intérieur de toi. Tu es fatigué du niveau où tu te trouves. Tu es un enfant de cette maison et tu dis, Seigneur, je veux reproduire la grâce qui opère sur maman Danielle et sur papa Raoul. Le premier qui dit Amen. Assieds-toi. Donc c'est la soif. Dans Isaïe 44, il nous dit ça. Dans Isaïe 55, à partir du verset 1, il dit, venez aux eaux, vous qui avez soif. Et c'est terrible de voir que des gens font des transactions d'argent autour de l'onction. Parce que le Seigneur prévient qu'on ne pèse pas de l'argent pour cela. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas. Église de réveil. Voici ça ici. Vous tous qui avez soif, venez où? Aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Mais bien aimé, parce que tu n'as pas d'argent, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas acheter. Ça veut dire qu'il y a une autre monnaie céleste qui a plus de valeur que l'argent terrestre. C'est la soif. Le premier qui a soif crie hey! 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 Regardez comment Jésus valide ça. Allez dans Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus debout s'est écrié, que celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Ça veut dire que la grâce, la l'onction, et la Bible va nous dire qu'il parlait de l'esprit. Ça veut dire que l'onction est destinée aux assoiffés. Il y a des gens qui sont fatigués d'un niveau. Est-ce qu'il n'était pas déjà arrivé? Tu vois, écoute un bien-aimé, les victoires qu'on a célébrées hier, lorsque ça devient ta seule victoire, ça commence à devenir une peine. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Tu vois bien aimé, lorsque tu as le CEP, il y a le CEP en Côte d'Ivoire. Il y a le CEP, le diplôme qu'on a, voire CPE. Lorsque tu as le CPE, c'est parfait. Parce que tu as peut-être 9 ans, 8 ans, 10 ans et ainsi de suite. Écoute, tu es content. Mais si c'est ton seul diplôme à 17 ans, 22 ans, 33 ans, n'est-ce pas? C'est la même chose dans tous les domaines de la vie. Est-ce que vous savez que les chrétiens prient des prières que Dieu ne va jamais exaucer? Ils prient que le prix des choses baisse. Ça ne va jamais arriver. Prie que ton niveau financier augmente. Ne prie pas des choses que Dieu ne va pas exaucer. Établis un standard selon lequel chaque année, en fait même jour après jour, que la gloire de Dieu augmente sur ta vie. Le premier qui dit Amen, c'est ce qui se passe. Une soif. Écoute, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Je ne le dis pas parce que mon frère est là, votre papa est là. Non. Lorsque vous le suivez depuis des années, vous avez déjà vu dans Jérémie 30, le Seigneur dit, je ne comprends pas pourquoi les jeunes gens en Israël et à Jérusalem marchent avec les mains sur les hanches. Est-ce que les hommes sont enceintes? Donc vous voyez certains jeunes qui sont épuisés, qui sont fatigués. Mais je peux te dire, la manière que tu as vu le révérend Raoul rendre ministère, s'il enlève sa barbichette là qui a un peu de poils blanches là, tu vas croire qu'il a 20 ans, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que c'est le zèle et c'est un dépôt d'insatiatif au Kebahata? Tu as quelque chose en toi qui te montre toujours que après que tu aies avalé le lac, il y a la mer. Après la mer, il y a l'océan, il y a l'eau. Le premier qui dit Amen. Attendez, suivez-moi très bien. L'autre jour, les gens se contentaient d'être multimillionnaires. Et puis des gens sont devenus multimilliardaires. Dernièrement, il y a eu le premier multitrilliardaire. Un être humain rassemble plus d'argent qu'un pays. Quelqu'un dit, je vais le battre. Pour Jésus, je vais le battre. Assieds-toi. Assieds-toi. Est-ce que tu es même prêt pour ce soir? Parce que nous ne pouvons pas t'imposer les mains pour que tu ailles seulement là où nous sommes. C'est pour que tu ailles très loin au-delà. Regarde,
1 Rois 13. Allons-y, regardons 2 Rois 13, pardon, versets 20 et 21. Regardons la seconde clé pour que l'onction soit efficace dans ta vie. Alléluia. La première, c'est la soif. C'est quoi? La seconde est bizarre, mais prends-la. Parce que les choses spirituelles, elles sont une folie pour les hommes. Amen. Quelqu'un lit avec moi, Élisée mourut. Et on s'arrête là. Oui. Verset 21. On laisse tout le reste. Maintenant, verset 21. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie. Attends. Quand cet Élisée était vivant, pour ressusciter un petit garçon, il devait entrer dans la chambre du garçon, imposer ses mains sur le garçon, mettre son front sur son front, mettre ses yeux sur les yeux, la bouche sur la bouche, et marcher dans la chambre, remonter sur le corps et faire ça 7 fois. Donc ça veut dire prenait du temps, peut-être des heures, pour prier et le petit garçon est ressuscité. Mais lorsque Élisée est mort, lorsque son âme s'est tue, lorsque sa colère est... Oh, vous savez, Élisée est un prophète rempli de colère. Si des enfants l'insultaient, il allait les maudire. Si le roi Jéroboam demandait une prophétie, je te dis, ce n'est pas comme ça dans la Bible, mais Élisée disait, va voir les prophètes de ton père et de ta mère. Ça c'est écrit dans la Bible, mais le geste ci n'est pas là, mais je te dis que c'était là aussi. Il dit, va voir les dons. Il était quelqu'un, il avait la colère en lui. Et vous voyez, et la colère, toutes les expressions de la chair sont des entités qui résistent au flot de l'onction en nous. Mais lorsque le même Élisée est mort et son âme n'était plus un obstacle, un mort entrait en contact avec ses os et le mort ressuscite. La deuxième clé pour que l'onction soit très efficace dans ta vie, c'est que tu meurs. Mourir ici, c'est quoi? Mourir à tous ces désirs de la chair, l'envie de dépasser telle, l'envie d'être vu, l'envie. Vous avez suivi ce que... Suivez bien, je ne sais pas si vous êtes attentif. Les messages, les proclamations de ce temps-ci avec les jeunes, s'il vous plaît, écoutez, réécoutez ça. Regardez, le tout premier soir, il y a quelque chose que j'ai suivi le révérend Raoul dire ici, votre papa, il a dit quelque chose. Et j'ai dit, oh, j'espère qu'il ne va pas développer ça parce que c'est mon troisième message. Parce que là, il est en train de dire, il y a eu des années, peut-être 15 ans, je ne sais plus, il a acheté une Porsche. Vous vous souvenez un peu? Et il a dit, il est allé rendre visite à un de ses bien-aimés, il a mentionné son nom. Et il dit, quand le bien-aimé a vu la Porsche, il était tellement excité. Il lui a dit, écoute, si moi j'avais une Porsche comme ça, je n'allais pas tenir sur place. Je serai à San Pedro, à Yamoussoukro. J'allais, mon Dieu, on allait me voir en Côte d'Ivoire. Et suivez la réponse. Il nous a dit ici, il lui a dit, c'est justement pour ça que Dieu ne te donne pas cette Porsche-ci. Parce que ce désir n'est pas encore mort en toi. Vous savez, Dieu c'est un bon père. Il ne va jamais te donner quelque chose jusqu'à ce que la chose-là ait perdu la capacité de te détruire. Attendez, vous n'avez pas compris. Non, vous avez dit amen sans comprendre. Attendez. Regarde. Tu veux que Dieu te donne. Aïe, je vais dire ça. Tu veux que Dieu te donne des, par exemple, des montants élevés. Disons par exemple un montant minime, 1 milliard de francs CFA. Est-ce que tu sais que Dieu ne peut pas te donner ce 1 milliard, lui Dieu? Tu peux l'avoir par d'autres moyens, il n'y a pas de souci. Mais ça va détruire ton âme si ça ne vient pas de lui. Mais il ne peut pas te donner 1 milliard s'il sait que tu n'es pas capable de déposer les 1 milliard là ici. Attendez, laissez-moi vous dire quelque chose. Ça va vous aider. Vous savez, dans la parole de Dieu, il n'y a pas que les prophéties et les promesses. Il y a les lois, il y a les alliances et il y a les principes. Et vous savez, les lois, les alliances et les principes, elles sont plus puissantes que la prière. Tu violes les lois, tu violes les alliances, tu violes les principes, tu peux prier comme tu veux, ça ne marchera pas. Mais maintenant, je vais vous choquer. Si tu pratiques fidèlement les lois, les alliances et les principes, tu auras les résultats qu'importe ton attitude. Attendez, je vais vous expliquer. Si nous avions le temps, nous irions dans 2 Rois 13.
Vous allez voir comment un vieux prophète, je crois à partir du verset 20, vous allez voir comment un vieux prophète ment. Un vieux. Ça veut dire qu'il connaît les lois, il connaît les principes et il connaît les alliances. Donc il sait que même si je manque dans cette affaire, il suffit que je pratique le principe, ça va toujours marcher. Quel était le principe? Parce qu'il voulait restaurer l'onction prophétique qu'il avait perdu. Ça veut dire que le ministère prophétique peut se perdre lorsque les gens commencent à jouer et faire n'importe quoi. Donc c'est un vieux prophète qui avait perdu l'onction prophétique et Dieu envoyait un jeune prophète là-bas. Et Dieu a dit au jeune prophète, écoute, ne mange pas là-bas, ne bois pas là-bas. En rentrant, n'utilise pas la route que tu empruntes pour venir. Ça veut dire que Dieu ne voulait pas que le vieux prophète qui connaît, parce que l'avantage d'avoir des pères, c'est que les pères peuvent éviter beaucoup de piège et beaucoup de... Lorsque tu es un père, il connaît les principes. Il connaît comment ça marche. La route que tu vas emprunter, il a emprunté des années avant toi. Il connaît tout ce qui se trouve là-bas. Donc lui, il connaissait comment est-ce que le royaume de Dieu et les choses spirituelles fonctionnent. Donc il savait que si je veux la grâce qui opère sur quelqu'un, il suffit que la personne mange quelque chose qui sort de moi. Et Dieu dit au jeune prophète que ne mange pas là-bas et ne bois pas. Et lui, il vient et il ment. Il dit, l'Éternel Dieu m'est apparu. La Bible dit, il mentait. Il a dit, il m'est apparu et il a dit que tu me suives et tu manges. Et la Bible dit, dès que le jeune prophète a mangé ce qui venait de la main du vieux prophète, l'onction prophétique a été transférée dans le mensonge. Imagine que tu veux la grâce qui opère au temple de la foi et tu ne veux pas que quelque chose sorte de toi. Même dans la vérité, ça ne marchera pas. Parce que regarde dans le mensonge, ça marche. Personne ne veut dire amen ce soir, ça commence à... Parce que il faut qu'on remette la vérité dans ses perspectives, de peur que tu ne sortes d'ici et le fait qu'on ait dit que c'est gratuit, tu crois que ça veut dire qu'il n'a aucun prix à payer. Celui qui t'a dit ça, il n'est pas envoyé de Dieu. Il ne vient pas de la part du Seigneur. La grâce est gratuite, mais ça coûte très cher. Suivez, regardez comment Jésus-Christ parle. Regardez Matthieu 16 au verset 26, je crois. Le Seigneur dit quelque chose de très étrange. Il dit, si quelqu'un veut porter ma grâce, si quelqu'un veut me succéder. Dans certaines versions, on dit, si quelqu'un veut venir après moi. Matthieu 16, ok, que je retrouve le texte exact. Amen. Allons à 24, montons un peu. Voilà, c'est ça. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, suivez bien, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si venir après lui veut dire marcher derrière lui, pourquoi il va encore dire qu'il me suive? Ça veut dire que la version en français, s'il n'est pas clair, si vous prenez les anciens textes originels, vous allez découvrir que lorsque Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, ça veut dire si quelqu'un veut porter mes chaussures. Si quelqu'un veut qu'après mon départ, on me revoie sur terre au travers de lui. Parce que Jésus a dit, tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des menteurs, ce sont des voleurs. Mais après ça, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, ça veut dire si quelqu'un veut être sur terre, ma pleine représentation, qu'il sache qu'il y a quelque chose de fondamental qu'il doit faire. Il doit renoncer à sa propre vie. Tu veux être un héros de la foi, pour quelle raison? Si c'est pour épater ta génération, tu n'as pas compris. Mais si c'est pour accomplir les desseins de Dieu sur cette terre, la terre des hommes, oh bien-aimé, la main du Seigneur vient sur toi ce soir avec une force extraordinaire. Et d'ici, quelqu'un veut porter mes chaussures, venir après moi. Si quelqu'un veut porter mon nom, représenter pleinement, non seulement ma personne, mais le royaume, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. C'est ça une dimension de la mort. Qu'il renonce à lui-même. Que ses ambitions ne soient plus personnelles, mais que ce soient les ambitions de Dieu. Est-ce que tu es dans cette salle où tu es parti? Que la personne n'existe que pour le Seigneur. Est-ce que tu sais qu'à des moments, lorsque le Seigneur veut te mettre à l'épreuve, il a une manière de mettre à l'épreuve qui fait mal. Vous savez, si les réseaux sociaux existaient au temps du prophète Élie, ce gars aurait des problèmes. Parce que Élie est quand même allé vers une veuve qui a un fils unique à qui il reste un dernier repas.
Imagine s'il y avait le téléphone. RTI 1, 2, 3, même 7 allait mal parler de lui. Parce que, suis bien, il va vers une veuve qui a un fils unique et à qui reste un dernier repas. Et il dit, donne-moi ça, je mange. Ouh, ton ministère va subir les chocs. Mais pourquoi Dieu n'a pas fait autrement? Parce que dans le système et le principe et les alliances et les lois du royaume, ça ne peut pas se faire autrement. Parfois nous passons toutes les nuits à prier. Nous passons, et la prière est importante, mais la prière qui est la prière centrale, c'est la prière de communion avec le Père. Toutes ces prières de je casse et je gâte et je massacre, vous avez besoin de faire ça lorsque vous êtes loin. Est-ce que vous savez que plus je m'approche de cette lumière, quelle que soit l'intensité des ténèbres, ça ne me concerne pas. Quand vous entrez dans le fuseau, regardez, si je communique, je me braque dans le fuseau de cette lumière. Oh, auprès de toi se trouvent les sources de la vie. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. Dans ce psaume 30 à partir du verset 10. Si je me tiens dans ce fuseau lumineux et que vous éteignez toutes les autres ampoules et que la lune refuse de paraître, les ténèbres ne me concernent pas. Donc plus je me rapproche de la lumière, moins j'ai le souci des ténèbres. Mais si je suis loin de la lumière, je vais passer mon temps. Au nom de Jésus, que la lumière brille. Pourquoi tu as besoin de toutes ces prières? Ça te fatigue. Ça te fatigue. Et très souvent, nous nous enfermons comme ça pour prier, pour avoir l'abondance. Mais vous savez comment Dieu montre l'abondance? Dieu dit, Madame la veuve, à qui il reste un repas et après quoi tu meurs avec ton fils. C'était le désespoir total au point où elle était suicidaire. Elle disait, j'ai un dernier repas. Et Élie dit, donne-moi ça, je mange. Et maintenant, je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Ce que je vais dire est terrible. Lorsque Dieu parle de cette femme, dans 1 Roi 17, Dieu dit, j'ai ordonné à une veuve, à Sarepta, de te nourrir. Mais tu penserais que parce que Dieu a ordonné, quand Élie va entrer, elle va courir vers Élie. N'est-ce pas? Mais bien aimé, c'est maintenant un deuxième principe du royaume. C'est pour ça qu'il y a cette impartition. C'est pour que tu aies le discernement. Parfois, Dieu peut avoir ordonné à cet homme de me donner sa veste. Mais j'entre dans cette salle et il fait comme s'il ne sait pas qu'il doit me donner sa veste. C'est à moi de discerner que ça, c'est la personne à qui Dieu a ordonné. Et c'est à moi de venir et dire maintenant, c'est le temps de me donner ta veste. Attendez, non, suivez-moi très bien. Parce que la veuve n'est pas venue vers Élie. Elle n'est jamais venue et elle dit, écoute, Élie, Dieu m'a dit, non, c'est à toi de grandir et de comprendre que c'est le temps pour moi de prendre ce qui m'a été donné du ciel. Je suis désolé, je n'ai pas le temps pour aller très loin. Mais si je pouvais, j'allais te montrer quelque chose dans Apocalypse 10. L'ange dont le pied touche la mer et l'autre la terre, il a clairement dit à l'apôtre Jean, va maintenant et regarde cet autre ange terrible là. Va prendre le livre qui est dans sa main. Il a dit, va prendre. Est-ce que vous savez que l'apôtre Jean est parti et il a dit, s'il te plaît, donne-moi le livre. Dieu n'a pas dit, va demander. Il a dit, va prendre. Mais le problème dans ce cas, c'est que la personne qui détenait ce que Dieu lui donne était effrayant à regarder. Tu imagines un monsieur, il a un pied dans la mer et un pied sur la terre. Ça c'est quelle taille? Goliath, c'est un nain devant lui. Goliath, c'est un nain. Et c'est dans les mains d'une pareille. Ils n'ont pas compris. Est-ce que vous savez que certains marchés que vous devez prendre sont dans les mains des gens qui ont ce genre de taille? Mais je te vois prendre cela. Asseyez-vous. La mentalité qui t'a fait fuir hier, elle ne va plus te retenir. Attends, laisse-moi t'expliquer. Parce que nous crions facilement Amen. Et c'est devenu comme une religion de Amen. Laisse-moi avancer. C'est parce que j'ai vu quelque chose là, je viens à ça. Laisse-moi avancer. La parole, c'est le plus important. Laisse-moi avancer. Regarde. Est-ce que tu sais que Daniel était premier ministre au milieu des satanistes? Les plus grands occultistes de l'époque, c'étaient ses collègues de service.
il était le seul qui craignait Jéhovah au milieu des gens. Lorsqu'on dit les occultistes de l'époque, la quasi-totalité des loges aujourd'hui se réfère à l'Égypte et à Babylone, aux sciences que ces gens pratiquaient. Mais est-ce que tu sais que Joseph pour l'Égypte et Daniel pour Babylone étaient les chefs de tous les cartomanciers et les nécromanciers et tous les pratiquants des sciences occultes? Je te vois prendre contrôle au milieu d'eux. Au milieu d'eux, tu n'auras pas peur d'arracher de leur main. Dans ta main, dis j'arrache. Quelqu'un dit j'arrache, 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 j'arrache. Assieds-toi. Il y a des moments où Dieu te montre que le frère là, c'est ton mari. N'attends pas qu'il vienne. Commence à le saluer à toutes les réunions. Tu le salues. Bonjour le frère. Bonsoir le frère. 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 Tu l'oppresses, il va rêver de toi. Mais, wouh! Mais, assois-toi. Oh. Mais si tu continues avec la nonchalance, or, nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Attendez, mais regardez, la timidité n'est pas remplacée seulement par un élément. La timidité est tellement une âme satanique qu'elle doit être remplacée par trois choses. Elle doit être remplacée par la sagesse, par la force et par la puissance. Est-ce que vous imaginez comment la timidité peut te faire passer à côté de ce qui t'appartient parce que tu n'as pas le zèle et l'audace pour avancer et dire j'arrache, j'arrache. Je vois une notion qui vient sur toi et tu dis j'arrache, 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 j'arrache. Assieds-toi. Ne pas, pas t'enfermer et tu pries que la sœur te remarque. Moi j'ai fait ça, ça ne marchait pas. Oui. Je suis allé, j'ai parlé à Maman Chou. Yes. Reste là. Reste là. Et je suis allé parler. Bien aimé, je n'ai jamais tremblé comme j'ai tremblé le jour là. Mes pieds là étaient en coton. Mais j'ai dit, Seigneur, j'arrache. 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 Hey! Je vois quelqu'un arracher ce qui est à lui. Mais suis-moi, n'arrache pas que les choses, mariage et tout ça, non. Arrache des dimensions spirituelles. Tu t'agenouilles et tu arraches les dimensions des communions profondes avec le Père. Tu arraches des choses qui vont t'amener sur le sommet des nations. Tu cesses d'attendre que ça vienne à toi. Lève-toi, dis, je n'attends plus. J'arrache. Assieds-toi. Quand la maman s'y est passée tout à l'heure, est-ce qu'il y a des jeunes filles dans cette salle qui sont des actrices ou bien elles font quelque chose qui est lié au cinéma, quelque chose comme ça? Quand la maman s'y est passée, maman, venez un peu. Venez un peu, oui. Le Seigneur veut que des stars jaillissent de vous. Vous comprenez ce que je dis? Ça a un sens pour vous. Ce que je dis a un sens pour vous. Ce que je dis a un sens. Est-ce qu'il y a des jeunes filles qui font... Venez un peu. Vous faites quoi? Vous êtes actrice de cinéma. Viens. Est-ce que ça a un sens pour vous? Le Seigneur veut que des stars jaillissent de vous. Amen. Est-ce que ça a un sens? Oui. Qu'est-ce que ça vous dit quoi ça? Ce que je dis, qu'est-ce que ça vous dit à vous? Comment vous comprenez ça? Non, non, je comprends. Non, je dis des stars, hein? Ça veut dire des gens que le monde va contempler. Que ce soit dans le domaine musical, cinématographique, je ne sais pas. Amen. Amen.
Mais le Seigneur a fait de vous comme ce genre de source là, que ces gens vont jaillir de vous. Amen. Ok, elle veut causer au micro, ok. Sa fille fait quoi? Sa fille actrice. On rentre, c'est bon, on rentre. C'est bon, on rentre. Amen. Regardez. Attendez. Regardez. Attendez. Si moi, je vous dis que ce que le Saint-Esprit fait ne m'émerveille pas. Je vais vous raconter une histoire. Mon épouse est en direct. Maman, je suis en direct. Pendant des... Non. Amen. Regarde. Suis-moi d'abord, suis-moi avant de crier. Regarde. Pendant des années, quand on dormait, j'avais du mal à bouger. Une nuit, le Seigneur m'aide, je me réveille, je regarde. Je vois qu'elle attrapait toujours ma main et posait sur sa tête en dormant. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle disait que non, chérie, souvent, hein, les choses que tu partages, les machins, je veux comprendre, ça sort d'où? Moi, je veux ça. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Souvent, les gens pensent que les choses de l'esprit, c'est comme si c'est sous contrôle. Non, ce n'est pas sous contrôle. Regarde, hier nous étions ici. Pourquoi je n'ai pas prophétisé? Parce que je ne recevais rien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait, je ne sais pas. Non, les gens, vous n'êtes pas dans cette salle. Mais si tu ne reçois rien, tu n'as rien dit. Ah! Dis à ton voisin, ah! Est-ce que c'est la magie? Écoute, et la parole qui sort là, elle est supérieure à toutes les visions. Ma Bible, non, c'est vrai. Moi, c'est comme ça que Dieu m'a enseigné. L'ange qui m'a enseigné les prophéties, c'est comme ça qu'il m'a enseigné. Il dit, vous faites bien de prêter attention à cette parole. Elle est plus certaine que la vision que nous avons eue sur la Sainte Montagne. Donc la parole-ci, c'est la prophétie la plus certaine. Tu dis amen, tu ne dis pas, elle est plus certaine que toi. Donc où est votre fille, maman? Elle est en France. Elle est en France. Est-ce que vous savez que vous devrez être dans une série? C'est sans publicité ce que je vais dire. C'est sans publicité. Vous devez être dans une série de Canal Plus en France. Amen. Hein? Amen. Ça, d'abord, l'ennemi a attaqué ça. Mm-hmm. Maintenant, la même grâce revient encore. Je reçois. Amen. Vous êtes fidèle ici? Ah oui, depuis que je suis ici en Côte d'Ivoire. Ah, depuis que vous êtes en Côte d'Ivoire? Depuis que je suis en Côte d'Ivoire, je suis fidèle ici. Waouh! Maintenant, quitte la périphérie de temple de la foi, entre au milieu. Amen. Hein? Je vais rentrer. Sois impliqué. Hein? Oui, j'ai signé le papier, je vais donner à Pasteur John. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai signé le papier hier pour donner au Pasteur John pour servir maintenant ici. Pour servir? Oui. Ou bien j'ai causé avec Pasteur John? C'est sûr, on n'a pas causé. Ah, Pasteur John, c'est. Oh, excuse-moi, je l'ai. Pasteur John me ressemble. Ok. Tu vois, avec les années maintenant, je sais que, tu vois, si tu ris beaucoup, tu peux entrer dans la chair et toute la fréquence la fait va. C'est pour ça que quand je... Non, moi je te dis mes choses. Vous vous cachez pour vous, moi je ne cache rien. Parce que dans tous les cas, à quoi ça sert de cacher? À la fin, nous allons paraître devant lui et tout sera lumière. Yes, et puis regarde comment le chronomètre il fait là-bas. Donc... Amen. Donc avec les années, j'ai découvert qu'il suffit d'un moment. Tu vois, les onctions sont différentes, mais tu peux étudier une onction et ça te prend des années pour essayer de comprendre. Donc, vous, votre fille est actrice, n'est-ce pas? Elle est quoi? Elle est dans quel domaine de l'art? D'accord, ok, c'est pas grave. Quelqu'un qui comprend mieux vient parler. Parce que les mamans, elles ont les cœurs souvent simples. Les mamans. Sa fille est actrice, elle fait des petites séries sur Facebook, des séries chrétiennes. Sa fille? Oui, sa fille. Bon, toi, tu connais sa fille? Oui. Elle est dans la salle? Non, je ne sais pas. Elle est là. Qu'elle vienne. Oh, Hayaman. Le Seigneur veut que une étoile. C'est toi qui as provoqué ça. Quand tu es passé, vous êtes venu donner l'offrande. Mmh. Donc quand vous étiez en train de partir, j'ai vu comment une grande lumière sort de vous. Mais c'est une star.
Donc, c'est pour ça que je vous demandais, est-ce que ça a un sens? Parce que ce que j'ai vu était trop clair. J'ai vu une grande lumière. Mais cette jeune dame, elle va être connue partout, partout. Donc vous faites des petites séries sur les réseaux sociaux. Oui, un pasteur. Le but, c'est quoi? Évangéliser, gagner les âmes, édifier, des choses comme ça. Un peu de tout. Un peu de tout. Maman, tu vois, ce que toi tu penses que c'est juste un hobby, la main du Seigneur vient sur toi. Ça va devenir un phénomène qui va t'amener à rayonner pour Jésus à travers les nations. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre. Poussez-vous un peu. Non, la maman, poussez-vous un peu. Qui était costaud comme elle? Qui était costaude comme elle? Bon, c'est côté ma maman. Côté de ta maman. Mm-hmm. Oh, je suis en train de voir quelque chose. Tends le micro ici. Viens, approche-toi. Regarde. Merci Seigneur Jésus-Christ. Regarde ce que le Seigneur me montre. Donc, quand tu as dit que depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, tu m'as aidé. Amen. Tu m'as aidé. Parce que c'est quand tu as dit ça, directement l'Esprit du Seigneur m'a fait voir. Je suis dans un endroit qui est Otogwe. Hein? Otogwe. C'est quoi? Otogwe, c'est quoi? C'est la troisième province du Gabon. C'est la quoi? C'est une province de mon pays, le Gabon. Mais tu as quoi à voir? Pourquoi je vois ça? Je sais pas, peut-être. J'ai vu Otogwe. Otogwe. Hein? Otogwe. Otogwe. Mais je suis pas de ta famille. Pardon? Je suis pas de ta famille. Je suis pas ton oncle. Il dit quoi? Ok, je te dérange. Oublie ça. C'est au Cameroun que j'aime faire ça. Tends le micro. Je te dérange. Ok, pardonne-moi. Donc regarde, donc j'ai vu Otogwe, n'est-ce pas? Mm-hmm. J'ai vu le Otogwe. Donc ça, c'est au Gabon. Oui. Vous êtes de quel pays? Je suis du Gabon. Vous êtes du Gabon. Est-ce que vous savez que ce que j'ai vu, je veux comprendre ce que j'ai vu. J'ai vu comme un fleuve. J'ai vu le Otogwe. J'ai vu comme un fleuve. Oui. N'est-ce pas? Oui. J'ai vu comme un fleuve, le Otogwe là. Et quand j'ai vu ce fleuve, j'ai vu une divinité parler avec beaucoup d'arrogance. Et c'est comme si chaque fois qu'une grâce doit se manifester. Donc ce que j'ai vu, laisse-moi t'expliquer. Ce que j'ai vu un papa qui doit être décédé maintenant. Comme Matsanga. Matsanga, c'est mon nom. Faut qu'on rentre. Faut qu'on rentre. Dis à quelqu'un, ça c'est SMJ. C'est SMJ. Je suis sous l'onction du révérend Raoul Wafo. Le premier qui dit amène une onction étrange, bien sûr. Regarde. Qui portait ce nom en premier? C'est mon arrière-grand-mère. Ton arrière-grand-mère. Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'elle était liée à une divinité? Ils adoraient quelque chose qui est dans un fleuve. Et c'est comme si cette divinité maintenant, elle réclame une tribu. Donc, Zigulabiato pour nous. Oui, pour nous. Pour nous. Comme si cette divinité parle un truc qui est pour elle nous. Est pour nous, oui. Elle qui était parle, pour nous. Elle était pour nous. Mm-hmm. Ton arrière-grand-mère était pour nous. Oui. Bon, je rentre. C'est clair, bon. On rentre. Faut qu'on rentre. Regarde, ton arrière-grand-mère était pour nous. Oui. Donc, écoute, quoi que ce soit qui te connectait à elle, parce que souvent nous ne connaissons pas la puissance des noms. Nous prenons des noms à tort et à travers. Or, les gens ont eu leur nom dans des alliances avec des divinités. Au nom de Jésus-Christ, par l'onction supérieure qui opère au temple de la foi, tu es déconnecté des alliances familiales, paternelles, maternelles. Le premier qui s'élève dit déconnecté. Écoute, quand tu es en Jésus-Christ,
tu es une nouvelle créature. Personne n'a le droit de faire des réclamations sur ta vie. N'acceptez jamais ça. Le sang de Jésus est supérieur à tous les sacrifices qui ont jamais été faits. Le premier qui dit déconnecté. Je te promets que je ne sais pas ce que je dis. Un jour j'étais embarrassé, c'était en direct, ceux qui nous suivent, c'était en direct, et puis je suis arrivé devant un monsieur et je lui dis que vous vous appelez tel. Il dit non, c'est pas mon nom. En direct, les caméras filmées. Je lui dis non, moi le Seigneur m'a dit que c'est votre nom. Il dit non, c'est pas son nom. Il me montre sa carte d'identité. En direct, c'était vrai, c'est pas son nom. Sur la carte, c'était pas ça. Je lui dis c'est ton nom. Je lui dis, en fait, ce que le Seigneur m'a montré, c'est qu'il y a quelqu'un qui était décédé, tu étais très jeune et tes parents ont interverti les actes de naissance. Donc, tu, bien aimé, son papa a voyagé pour venir confirmer que même lui ne connaît pas ça. Que son vrai nom, c'est le nom là. Le nom qu'il utilise, c'est le nom de quelqu'un qui était décédé et les parents ont interverti. Donc, ce que tu dis par l'Esprit du Seigneur, ce n'est pas sous ton contrôle. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Le premier qui dit amen, quelque chose descend sur toi. Miracle, miracle est son nom. Même si Satan ne veut pas, moi j'ai la foi que 5 minutes vont encore s'ajouter. Tu ne savais pas là où je t'amène. Tu ne savais pas là où je t'amène du tout alors. Donc, tu es déconnecté. Tu vois, une révélation qui vient de l'Esprit de Jésus-Christ, lorsqu'elle est authentique, la lumière, lorsqu'elle vient, elle met fin aux ténèbres. Amen. Donc, tu es déconnecté. Amen. Tout ce qui était lié à ce nom, Matanga. Matanga. Hein? Matanga. Matanga. Mm-hmm. Je me débrouille, je ne suis pas. Non, c'est j'ai bon, pas c'est zéro, bon. N'est-ce pas? C'est bon, c'est bon. C'est bon. J'ai pas zéro. Mm-hmm. Matanga. Tu es déconnecté au nom Amen. De Jésus-Christ. Il y a un bœuf ou un buffle qui te pourchassait. Il y a un truc comme un buffle qui te pourchassait. Il est vaincu. Amen. C'est ça que j'aime. C'est la partie ici que j'aime. Il est vaincu. Donc toi maintenant, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas témoigner ici. Amen. Amen. Mais dans cette maison, comme tu as parlé au pasteur John hier, maintenant, entre, viens au centre. Amen. Vous savez, quand vous êtes en périphérie, vous êtes dans une mauvaise position parce que l'onction n'agit fortement que sur ceux qui s'impliquent pour travailler sous les instructions de l'onction. Le premier qui dit amen, ta vie va changer. Oui. Ne restez jamais en périphérie. Surtout quand vous êtes jeune. La jeunesse, regardez ce que le papa dit. Votre papa dit hier. La jeunesse, c'est le temps de porter le joug. Le Seigneur dit porte le joug dans le temps de ta jeunesse. Amen. Donc soyez impliqués. Soyez. J'ai appris ici par exemple qu'il y a une armée invisible là dans les réseaux sociaux. Implique-toi. Amen. Il y a tellement de départements. Implique-toi dans l'évangélisation. Ça c'est la partie que j'aime le plus. Amen. Sois là-bas, gagne les âmes matin, midi, soir. Ne t'arrête pas. Amen. Écoute, c'est la moisson des âmes qui a amené votre papa en Côte d'Ivoire. Je te promets, tu ne dis pas amen, on le ramène au Cameroun. Ouais! Amen. Tu sais que ça fait partie des conflits qu'on a avec la Côte d'Ivoire, mais la paix vient ce soir au nom de Jésus-Christ. On veut reprendre nos possessions. On veut ramener le révérend Raoul chez nous. Ok, il reste, on ne peut plus rien, il reste. Il reste. Il est déjà ivoirien. Si deux s'unissent, il devient un seul corps. C'est un ivoirien. À quoi bas? À quoi bas? Acclame le Seigneur. C'est établi. Non, c'est sur elle que je dois imposer les mains. C'est établi au nom de Jésus-Christ. Et c'est établi au nom de Jésus-Christ.
Écoute, tiens-toi sur tes pieds, pousse des cris de triomphe. La grâce est sur ta vie. Le Seigneur lève des géants, des hommes et des femmes qui vont accomplir des exploits comme jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et bien aimé, à tout moment pendant l'impartition, selon que l'Esprit de Dieu va conduire, nous sommes sous son autorité. Selon qu'il va conduire, nous sommes là jusqu'à ce que la dernière personne soit un héros de la foi. Si tu acceptes ça, dis-le, amen, le plus dangereux. Amen. Yeah,